Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi, comme promis on se retrouve avec un bon wod de crossfit. Aujourd'hui vous allez avoir besoin d'une corde à sauter et d'un kettlebell ou d'un dumbbell pour venir faire des swings. On terminera ensuite par un petit travail de gainage dont vous me direz des nouvelles. Avant ça, comme d'hab, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, pensez à partager, pensez à activer les notifications. Vous connaissez maintenant la chanson. Échauffement, trois petits blocs pour venir vers le wod. Premier bloc, vous allez venir faire une minute de single under, donc des passages simples à la corde à sauter. Pensez à bien lâcher les bras, les épaules et à venir vraiment travailler avec vos poignets, d'accord. 30 mètres de fente ensuite, donc vers l'avant, je viens marcher pendant 30 mètres environ, d'accord, grosso modo. Et 10 grammes to overhead, donc soit avec une plate, soit avec un halter, ce que vous voulez. Je démarre les deux mains dessus, l'objet au sol, et je viens de monter au-dessus de la tête en un seul mouvement, en cherchant à bien enrouler l'épaule et en gardant l'objet proche de soi. Et je termine avec 5 burpees, donc poitrine au sol, je me redresse, extension complète. Je saute vers le haut avec les mains qui passent la ligne des épaules à chaque fois. Deuxième tour, vous allez venir faire des quick steps, donc les pas du boxeur à la corde à sauter, un pas puis l'autre en alternant. Rapidement pendant une minute, vous allez venir faire 30 mètres de fente, mais cette fois-ci en marche arrière. Donc je viens chercher derrière avec la jambe, essayer de garder le buste bien droit tout le long. 10 Russian kettlebell swing, donc c'est à partir des hanches et je viens monter jusqu'à hauteur des yeux. Le dos est bien droit et je viens travailler avec les hanches, d'accord. Tendre bien fort les jambes, serrer bien fort les fesses pour venir faire monter à hauteur des yeux. Les bras restent tendus, donc soit avec un dumbbell, soit avec un kettle. Et 5 burpees à nouveau. Dernier tour enfin, 30 double under, donc les doubles passages de corde, 15 jumping lunges, donc des fentes sautées où vous allez venir tomber le genou au sol à chaque fois et vous redresser le plus haut possible, changer de jambe à chaque fois, le buste reste bien droit. 10 kettlebell swing américain, donc cette fois-ci on démarre en manche et on vient jusqu'au dessus de la tête, vous devez vraiment finir aligné. Et 5 burpees, donc ça c'est les mouvements qu'on va retrouver sur le wod. Le wod, un rap de 20 minutes, donc pendant 20 minutes on essaie de rester en mouvement constant et de cumuler un maximum de tours. 40 double under, donc 40 doubles passages de corde que vous allez pouvoir faire en simple, en les doublant probablement si vous êtes à l'aise, jusqu'à 80, d'accord, simple under. 30 fentes sautées, donc comme à l'échauffement, 20 kettlebell swing américain, donc pareil comme à l'échauffement, je monte bien des hanches jusqu'à au-dessus de la tête. Et on termine avec 10 burpees. Donc ça, c'est des mouvements qui sont relativement simples, relativement basiques. Il n'y a que un mouvement à charge. Le travail de corde qui est peut-être un petit peu technique pour certains. Le but, c'est vraiment de réussir à garder un rythme constant et de bouger pour faire un maximum de tours sur cet enchaînement-là. Petit travail de gainage ensuite. Vous allez venir faire de 10 à 1 répétition latérale V-up. Donc vous êtes sur le flanc, un bras qui va être aplati au sol. Et avec le bras opposé, je vais venir chercher les jambes. Donc j'en fais 10 d'un côté, je viens maintenir 10 secondes de hollow hold, donc c'est la banane avec les lombaires plaqués au sol. Vous allez pouvoir avoir soit les bras le long du corps, soit les bras derrière la tête, vous allez voir que ça va vite tirer. Et ensuite je passe de l'autre côté et je fais pareil, 10 V-up. Je reviens au centre, je passe à 9 de chaque côté, etc. Vous avez compris, à chaque fois que vous revenez au centre, vous bloquez 10 secondes la position en hollow, puis vous passez sur un flanc. Vous pouvez décomposer comme vous voulez, parce que ça va vraiment tirer si vous le faites bien. On est bon pour cette séance-là. Comme d'habitude, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Postez vos scores en commentaire pour ce WOD-là, ça peut être intéressant. On se retrouve demain pour la prochaine séance. Prenez soin de vous, bonne fin de journée et bon entraînement. Ciao à tous.